Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes achats de ce mois de septembre 2021. Alors il ne va pas y avoir énormément de choses au programme ce mois-ci puisque j'ai juste fait une commande chez Sephora et j'ai reçu une commande de chez Beauté Privée que j'avais passée en août. Je vais vous montrer également en fin de vidéo donc mes cadeaux d'anniversaire puisque c'était le mois de mon anniversaire. On va commencer avec Sephora. Alors chez Sephora, j'ai racheté un Goofproof de Benefit qui se présente comme ceci. Alors je ne sais plus exactement le prix, je crois que c'est 15€. Je l'ai pris en version mini. Je l'achète toujours en version mini parce qu'en fait le grand, il y a un goupillon dont je ne me sers pas avec. Donc du coup, je préfère acheter celui-ci. Bon, c'est un peu bête, hein, mais bon, voilà, je préfère celui-ci. Et donc du coup, je l'ai pris en teinte numéro 2, Warm Golden Blonde. Voilà, qui est comme ceci. Et j'ai un doute sur le nom, mais il me semble que c'est bien le numéro 2 que je prends à chaque fois. Je vérifie la couleur, oui c'est bien ça. Je sais pas. Voilà, bon, je suis pas vraiment blonde, hein, vous pouvez le remarquer en ce moment. Mais bon, c'est quand même la couleur qui me va le mieux. Il n'y a pas vraiment de couleur de sourcils qui pourrait aller avec la couleur de mes cheveux. Et bon, de toute manière, avec les shampoings, j'ai de moins en moins de roux. Donc du coup, ouais, je ne vais pas m'aventurer dans un crayon spécifique comme ça. Ensuite j'ai acheté, alors c'était avec ma carte d'anniversaire puisque j'avais 30€ avec la carte Sephora Gold. Donc du coup je me suis pris la palette rétro de Natasha Denona. Donc c'est la toute dernière palette qui est sortie, qui est vendue au prix de 70€, si je dis pas de bêtises, 69 quelque chose, voilà. 70 hein, clairement. Je vous la présente rapidement, mais je vous ai déjà fait une vidéo revue qui est disponible sur la chaîne. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce que je pense de cette palette, bah, je vous invite à regarder cette vidéo en question. Voilà, donc je vous la montre rapidement quand même parce que bon, voilà. Donc du coup je vous invite à regarder la vidéo et puis vous aurez aussi des maquillages disponibles sur le blog puisque je l'ai quand même testé, que je me suis maquillée avec forcément, donc voilà, vous trouverez des maquillages aussi sur le blog. Voilà, donc c'est tout pour Sephora, comme vous pouvez voir c'était hyper rapide. Voilà, je pense qu'il y aura peut-être des achats là qui vont suivre, mais ce sera vraiment plus sur octobre. Ensuite, on va passer à Beauté Privée. Donc, chez Beauté Privée, j'ai commandé quelques trucs. Je crois que j'ai tout, je sais plus. Je vérifie, mais il me semble que oui. Oui, c'est bon, j'ai tout. Voilà, donc tout d'abord, j'ai commandé un dissolvant comme ceci, de la marque Arcanseal. Voilà. Hop. Donc, c'est un dissolvant sans acétone, pardon, qui est à base d'huile d'amande douce et qui a parfumé à l'orchidée. Donc c'est les genres de dissolvants que j'utilise avec la mousse à l'intérieur et puis vous mettez votre ongle et vous tournez. Effectivement, il sent moins fort l'acétone, enfin l'acétone, la senteur du dissolvant on va dire, que les dissolvants classiques. Moi j'utilisais celui de chez Bourjois, mais comme je vous disais, j'en avais acheté plusieurs d'avance et en fait ils ont séché. Donc pas trop les acheter à l'avance a priori. Et je trouve qu'il est pas mal, il est un petit peu comme celui de chez Bourjois. On sent pas trop l'odeur horrible du dissolvant, on sent plus le parfum de l'orchidée. Et donc c'est plus agréable. En termes d'efficacité, bon là il est assez neuf, du coup il est plutôt efficace. Mais je trouve qu'il n'est pas hyper imbibé au niveau de la mousse, donc je ne suis pas hyper sûre qu'il dure très longtemps. Et après concernant les ongles, est-ce qu'il les abîme ou pas, bah, pour l'instant je ne pourrais pas dire parce que je ne l'utilise pas depuis assez longtemps. Donc voilà, sinon j'aime bien aussi celui de chez Kiko que j'avais acheté aussi la dernière fois, je crois que j'en ai racheté un, ouais, il me semble. Que j'aime beaucoup aussi et qui ne m'abîme pas les ongles, donc je suis sûre on va voir s'il m'abîme les ongles ou pas. Parce qu'il n'était pas trop cher, donc du coup c'est pour ça que je l'avais pris. Ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres liquide mat de la marque Avril. Donc, c'est le crème de rouge à lèvres mat Matte Lipstick Cream. Voilà, donc qui est comme ceci. Voilà, alors il est un peu sale ici parce qu'en fait, il y a un autocollant que j'ai retiré et bah, ça colle encore. Et donc, du coup, ça attrape toutes les cochonneries. Il faudrait que j'essaye de l'enlever. Voilà, parce que c'est vraiment pas top. Du coup, il fait 3 ml et j'ai pris la teinte. Est-ce que je vais trouver son nom ? Acajou, voilà, donc c'est écrit ici, je sais pas si vous allez voir tout en bas, fait le focus peut-être, hop, Acajou, voilà. Alors je l'avais prise pour faire un maquillage pour mon anniversaire et en fait j'ai trouvé que la couleur était trop foncée, donc du coup je l'ai pas utilisée, j'ai préféré un rouge plus classique, mais j'hésite entre plusieurs. Après j'aime beaucoup la couleur, clairement c'est un beau rouge un petit peu bordeaux foncé. Un petit peu un peu terre, je sais pas trop dire, terre de sienne, ouais voilà. Très jolie couleur, alors après ça va pas avec tous les maquillages. Là par exemple aujourd'hui j'ai un maquillage violacé, ça n'irait pas avec. Mais avec un make-up nude ça se passe très bien.
Très jolie. Alors après, la tenue n'est pas folichonne. Malheureusement, c'est pas hyper, hyper bien au niveau de la tenue. Il est un petit peu long à sécher et il fait quand même des transferts. Donc bon, c'est pas the must au niveau des rouges à lèvres, mais il est plutôt joli. Et puis il est assez clean, on va dire, au niveau de la composition. Puisque Avril est une marque quand même certifiée bio, je le rappelle. Voilà. Et c'est tout pour les lèvres. Donc on va passer au vernis à ongles. J'en ai acheté encore 5. Pour rester dans la même veine que le dissolvant, j'ai pris un vernis à ongles de la marque Arc-en-Ciel. Voilà, qui est celui-ci. Donc c'est un vernis rouge très classique. Donc c'est un vernis green à base de 68% d'ingrédients naturels, 77% sont de sourcés. Voilà, il est vegan à 100%. C'est la référence Coquelicot. Voilà, je regardais s'il y avait d'autres infos. Numéro 100, Coquelicot. Donc c'est un beau rouge Coquelicot, comme son nom l'indique. Je l'ai déjà porté. Vous pourrez le trouver sur le blog. Alors pas tout de suite, parce que je ne l'ai pas encore mis, mais vous pourrez le retrouver très bientôt sur le blog. Mais c'est un vernis à ongles rouge, tout ce qu'il y a de plus classique. La tenue est bien, mais c'est pas non plus oufissime. Franchement, bon, c'est un vernis vegan. Alors, pour un vernis plus naturel, on va dire, c'est pas mal, ça se tient bien, mais après je vois pas la différence avec un vernis plus classique, donc et il est quand même assez cher, donc bon, je suis pas spécialement convaincue. Je vous ai pas indiqué combien il y avait de millilitres, je crois, je sais pas si c'est indiqué en dessous. 10,5, voilà, donc c'est une bonne contenance, mais c'est pas un truc de ouf, surtout pour une couleur aussi classique quoi. Ensuite j'ai pris 4 vernis de la marque Essie. J'ai pris tout d'abord un espèce de je sais pas comment dire. Un brun chaud, on va dire, voilà. Brun marronné, rouge, je sais pas, chaud. Voilà. Donc au fini crème qui s'appelle Cliffhanger. Vous pourrez retrouver le swatch de cette couleur sur le blog, puisque je l'ai déjà porté. Donc il a très bien tenu et franchement rien à dire sur la qualité. De toute façon, les vernis ici, de toute manière, j'ai pas grand chose à dire sur la qualité. Elle est toujours très bonne. Donc voilà, c'est la gamme classique de chez Essie. Hein. C'est pas les vernis gel, là j'ai pris que des gammes classiques. Ensuite, j'ai pris la référence qui s'appelle Set in Sandstone. Alors, je ne l'ai pas encore portée celle-ci. Je vous montre la référence et après, vous allez voir la couleur. Donc, on est un peu dans le même genre de couleur, mais beaucoup plus orangé cette fois-ci. Donc, voilà pour celle-ci. Donc, je vais vous mettre à côté. Voilà, vous voyez, là, c'est beaucoup plus marron et là, c'est beaucoup plus orangé. Assez joli, j'avais pas vraiment d'orange comme ça. Alors, il est un petit peu déphasé parce que je l'ai pas mal gardé debout. Voilà. Mais pareil, encore le même genre de vernis, sans rien dedans. Ensuite, j'ai pris un joli rose moyen. Alors, je le secoue aussi un petit peu, qui s'appelle Into the Abyss. Hop, voilà pour le nom. Voilà. Et voici la couleur. Pareil, je trouve que le rose est assez sympa. C'est pas un rose qu'on voit régulièrement. C'est un peu comme un vieux rose, je ne sais pas trop comment dire, avec un peu de mauve dedans. Enfin, je le trouve super joli et intéressant. C'est pas le rose classique qu'on peut voir d'habitude, je trouve. Et enfin, la dernière teinte que j'ai prise s'appelle Tangled. Je sais pas trop comment ça se dit, Tangled. Tangled, in love, voilà. Donc, il se présente comme ceci. Voilà, au niveau du nom. Et la couleur est un joli violet très vibrant. Alors, j'ai peur qu'il ressorte un petit peu indigo sur la caméra. Mais il est bien violet-violet. Hein. Je sais pas trop comment ça va ressortir. Mais c'est vraiment un vrai violet très vibrant, très très joli. Alors j'en ai déjà quelques-uns des comme ça, mais j'ai pas l'impression d'avoir un aussi violet, aussi flash comme ça. Donc du coup, je suis assez contente. Donc, très jolie couleur aussi. Donc voilà pour beauté privée, beaucoup de vernis, comme vous pouvez le voir, comme d'habitude, beaucoup d'essie. Donc c'est tout. On va passer maintenant au cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc j'ai eu deux palettes. Alors tout d'abord, j'ai eu la Wild Python de Huda Beauty, qui se présente comme ceci. Alors elle est vendue, je crois, au prix de 29,95 € chez Sephora, bien sûr. Je vous la montre rapidement parce que pareil, vous avez une revue qui est dispo sur la chaîne. Voilà, hop, je vous fais un petit truc que j'adore. Donc ça fait partie de la dernière collection Wild qui est sortie. Donc il y avait la Wild Caméléon, la Wild Jaguar et la Wild Tiger, je crois. Et donc celle-ci, c'est la Wild Python. L'harmonie verte, alors ça tombe très très bien parce que c'était mon harmonie préférée des quatre. Donc je suis super contente de l'avoir. Je la trouve très jolie, les fards sont magnifiques. Donc bah, voilà, il n'y a rien à dire. Donc ouais, très contente, franchement, je suis super contente de l'avoir. Très jolie couleur.
Et enfin, dernière palette que j'ai eue, c'est la Urban Decay Naked Ultraviolette. Donc, je ne l'avais pas. La dernière Naked que j'avais achetée, je crois que c'était la Naked Cherry. Si je dis pas de bêtises. Je crois pas en avoir acheté d'autres. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de palette Urban Decay. Alors, j'essaie de l'ouvrir sans casser le packaging. C'est ça qui est pas facile. Alors, bizarrement, je me suis maquillée avec ce matin. J'ai eu aucun problème. Mais là, j'arrive pas à l'ouvrir. Donc, ça y est. Voilà, donc elle est comme celle-ci, donc elle est sortie il y a un petit moment, celle-ci déjà, je sais plus quand, ça fait bien 2 ans qu'elle est sortie, je pense, la Naked Ultraviolette, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous savez, mais ouais, ça fait un petit moment. Voilà, bon, en tout cas, je l'avais pas, donc contente. Et je vous la présente si vous ne la connaissez pas, mais je pense que vous la connaissez, donc elle est comme ceci. Donc vous avez une harmonie de violet, rose et un petit peu plus de nude ici. Alors bien évidemment je ne vais pas vous en parler davantage parce que vous en doutez et je vais vous faire une revue sur cette palette. Je suis actuellement en train de la tester. Là je la porte aujourd'hui. Je vais vous montrer le maquillage que j'ai fait aujourd'hui avec. Donc bien violacé, je pense que ça se voit. Je sais pas. Parce que l'éclairage est quand même assez blanc je trouve ici. Donc je ne sais pas si on va avoir beaucoup. Voilà, donc je la teste actuellement, je vais essayer de vous faire une revue assez rapidement dessus, puisque bon, elle est pas récente, mais bon, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un avis supplémentaire sur une palette, donc voilà, je la teste. Elle est vendue également chez Sephora, je crois qu'elle est à 52 €, si je dis pas de bêtises, voilà, je sais plus exactement, mais voilà, donc en tout cas le packaging est super beau, franchement, j'adore, trop joli. Un peu dans le même genre, non en fait, mais j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc c'est tout pour mes achats slash cadeaux d'anniversaire pour ce mois de septembre 2021. Si vous avez des questions par rapport aux produits que je vous ai montrés dans cette vidéo, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires et je vous répondrai. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt !